Je m'appelle Dina Kathleen. J'ai déjà travaillé avec Paul Tank sur un autre projet. Et ce projet-ci était que j'ai trouvé extrêmement intéressant. La première chose, c'est d'avoir eu quand même des directions, des directives du dessinateur. Il est important pour moi de pouvoir savoir qu'est-ce qui est le jour, qu'est-ce qui est la nuit, ou s'il y a certains impératifs de couleur. Et puis, je travaille en général par séquence, c'est-à-dire que je réunis les pages qui racontent la même histoire. La chose pour moi la plus importante dans la couleur, c'est la lumière. S'il y a une lumière qui passe par une porte ou par une fenêtre, le petit ray de lumière qui éclaire sur le côté, ou la bougie, ou la lanterne. Le temps de couleur pour une page, c'est très variable. S'il y a des dizaines de personnages à cheval, avec des armures et plein de petits détails, ça prend plus longtemps. Le minimum que j'ai mis, c'est 7 heures, je pense, et le maximum, c'est 12 heures. Dans le cadre d'une série historique, je veux aussi voir des images sur Google et j'ai certains livres, certains que le dessinateur m'a prêtés, d'autres que je possède. Donc oui, il y a une documentation historique importante. À un moment donné, je représente un tableau de Jan van Skorrel. Il est certain que les couleurs devaient être parfaitement précises et fidèles.